Un centre-ville quasiment désert, à Avrillé comme à Angers, les travaux liés à l'implantation du tramway ont leur lot de désagréments. Et ici, il n'y a presque plus qu'une seule solution pour faire ses courses. Ben, on prend nos jambes. Maintenant, on prend nos jambes. Effectivement, c'est très perturbant, surtout que nous, on habite bien plus loin et que notre rue, elle est fermée des deux côtés. Il y a des déviations qui ne sont pas toujours très bien indiquées, donc il vaut mieux bien connaître le coin. C'est sans doute perturbant actuellement, mais je pense que l'avenir sera plus rose. Et oui, les Avriais vont devoir prendre leur mal en patience. La municipalité est bien consciente des problèmes, mais ne peut pas faire plus. On essaye d'être le plus réactif possible et de fermer le moins de choses possible. Donc dès que c'est possible, on rouvre. Là, on a rouvert pendant 15 jours, là où on se situe, donc entre le carrefour de la Ternière et la route amirale de la Nouvelle de la Flèche. Donc on s'adapte de manière à ce que les nuisances soient le plus limitées possible. Ce sont les commerçants qui souffrent le plus de la situation. Ce patron de bar PMU, par exemple. Heureusement qu'on a nos habitués, vraiment nos habitués le matin, et puis qui viennent faire leur petite tiercée. Autrement, dans la journée, c'est très très calme. Et le soir, il n'y a plus personne. Pascal Joly estime avoir perdu 10% de son chiffre d'affaires. Alors il a déposé un dossier auprès de la commission d'indemnisation mise en place pour ses travaux. Du côté de la municipalité, on considère qu'il faut revoir certains critères d'attribution de ces indemnisations. Et notamment celui qui concerne l'impossibilité totale d'accéder au commerce. C'est très rarement le cas, parce qu'un accès est toujours possible au moyen de déviations ou de chemins piétonniers. Mais la clientèle a des habitudes et se perd un petit peu dans les déviations. L'adjointe au maire a décidé de faire remonter l'information à Angers-Loire Métropole et à sa commission d'indemnisation. En attendant, les travaux vont continuer. C'est en ce moment la partie la plus difficile, celle de l'adaptation des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. Elle durera jusqu'à la fin mai. Ensuite, la circulation sera réouverte sur l'artère principale d'Avrillé, mais seulement dans le sens Montreuil-Angers. Le tramway, lui, devrait être livré au plus tard début 2020.